Christian Estrosi m'avait confié la circulation et le stationnement dans la précédente mandature. Il a souhaité y associer la question des parkings et la logistique urbaine. C'est une délégation qui permet de penser la mobilité et le domaine public dans sa globalité. Cela permet aussi de concilier les attentes du monde économique, des livraisons, de la logistique et des riverains dans leur ensemble. C'est une vision de la ville au sens large. Je ne sais pas si on peut parler d'atout, mais ce qui est certain, c'est une démarche. D'abord, de la proximité, de l'écoute, du dialogue et la volonté de trouver des solutions à tous les problèmes. On sait très bien que la solution parfaite n'existe pas, mais c'est toujours dans un équilibre, au service des réalités du territoire, au service des réalités d'un quartier, au service des réalités humaines, que se construisent les solutions. C'est peut-être ça mon atout. Choisir, c'est exclure. J'aime Nice dans sa globalité, depuis la fontaine de Guéraud jusqu'à Robacapeo, en passant par tous ces lieux de vie, tous ces lieux d'histoire, tous ces lieux où il fait bon vivre, le marché de la Libération, effectivement le lycée Masséna, avec ces grands noms qui y sont passés et qui appartiennent à l'histoire de Nice. C'est tout ça à Nice.